Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour, JM6, Joint la main de compassion 2021. Nous sommes sur ce plateau avec l'intervenant du jour, le prophète Daniel Kawata, qui a aussi intervenu hier. Donc c'est lui qui a poursuivi le même message. Bonjour prophète. Bonjour, bonjour. Comment vous allez papa? Je vais très bien, merci. Vous allez bien par la grâce de Dieu? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Nous sommes contents de vous savoir encore dans notre église, Centre évangélique Parole éternelle, extension de la borne à Bandalungwa. Alors aujourd'hui, pendant que vous aviez parlé, vous aviez partagé ce message de destinée restaurée par la main du Seigneur, nous avions remarqué que vous aviez touché un point. Comment puis-je m'impliquer pour que ma destinée soit une réussite? Alors, le peuple de Dieu qui vous regarde de l'autre côté veut aussi savoir comment faire pour s'impliquer, pour que leur destinée soit réellement une réussite par la grâce de Dieu. Bien, effectivement, je parlais de ça et j'ai donné un schéma qui est simple. La première chose, c'est qu'il faut connaître ce Dieu. Il faut faire alliance avec ce Dieu. Il faut s'unir avec ce Dieu. Il faut s'engager et donner sa vie, se laisser appartenir, entrer dans le système et faire alliance avec ce Dieu-là. Ça, c'est la première étape. Elle peut constituer à la nouvelle naissance, à un engagement particulier, à quelque chose de particulier, mais c'est d'abord la première étape, lui appartenir, entrer en communion avec lui. Et Dieu a prévu que par Jésus-Christ, nous puissions signer et entrer dans une nouvelle alliance. Il est écrit que Dieu nous a recréés en Jésus pour de bonnes choses qu'il a préparées pour nous. La deuxième chose qu'il faut faire, après s'être donné entièrement à Dieu, c'est de lui faire confiance, c'est de vivre en lui faisant confiance qu'il tient notre destinée entre ses mains et il va nous amener plus loin dans notre vie, il va nous conduire plus loin et nous devons rester attachés à lui. La troisième chose, c'est que nous devons savoir méditer sa parole et réfléchir selon ses promesses. Parce que nous vivons avec lui, parce qu'il a tracé de nouvelles choses pour nous, il nous donne sa parole comme quelqu'un mettrait à la disposition d'un malade le guide pour se faire soigner. Donc, la vie contient beaucoup de réalités et pour bien l'amener, nous devons vivre la parole de Dieu parce que, un, elle est esprit et elle nous apporte des vérités spirituelles et notre vie est aussi esprit parce que nous sommes esprit, nous vivons dans notre corps, nous sommes, comme la Bible dit, esprit, âme et corps. Et notre esprit doit se nourrir de la parole de Dieu et plusieurs choses sont réalisées à ce niveau-là. Et la quatrième chose, c'est savoir combattre l'adversaire qui essaye de se tenir sur notre terrain. Et la meilleure façon de combattre l'adversaire, c'est toujours de se rappeler que nous sommes du côté du plus fort. C'est toujours vanter, honorer, glorifier et célébrer celui qui nous protège. Et ensuite, faire face à l'adversité avec les armes que Dieu nous propose. De cette manière-là, nous serons en train de progresser correctement, vivement, sereinement sur le chemin que Dieu a préparé pour nous parce qu'il est notre berger et avec lui, nous pouvons voir des jours heureux. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup pour ce merveilleux message. Merci. Donc, en d'autres termes, si je peux juste dire un mot par rapport à ce que vous venez de dire, vous dites qu'il nous est impossible de vivre la destinée de Dieu lorsque nous ne sommes pas en communion avec lui. En communion, je veux dire, avec son Fils Jésus-Christ. Il est difficile de vivre la communion, disons, la destinée que Dieu nous a préparée en dehors de Christ. Nous aurons une destinée naturelle, standard, oui, à tout le monde. Okay. Une destinée qui va de la vie à la dégradation. Oui. De la naissance à la vie et de la vie à la mort, de la mort à l'enfer. Donc, vous voyez, c'est une vie de séparation et de dégradation. Mais avec Dieu, nous quittons de la dégradation à la restauration et à la prise en charge de notre vie. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Alors, papa, il y a peut-être des gens qui, en ce moment, ne vivent peut-être pas cette destinée que Dieu leur a prévue, justement parce qu'ils ne sont pas en communion avec Jésus-Christ. Mm-hmm. Et pour toutes ces personnes, quel est le message que vous pouvez leur adresser en ce moment? C'est de faire confiance en Dieu. La Bible dit,
Confie ton sort à l'Éternel. Amen. Confie ton sort, ce qui t'arrive là, confie ça à l'Éternel et il va agir. Il va agir. Si c'est un mauvais sort, il va enlever ça. Si c'est un sort de destruction, il va remplacer ça. Amen. Donc, comme Dieu est avec nous, et parce qu'il est avec nous, rien ne peut nous détruire. La Bible dit qu'il travaille derrière les circonstances pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça qu'à cause de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les autres choses ne peuvent pas nous détruire. Amen. Je peux leur assurer que ça peut sembler difficile. Même, ils peuvent atteindre le niveau des ossements desséchés. Mais Dieu a voulu nous démontrer que de cette vie desséchée, de cette vie nulle, de cette vie éparpillée sans avenir, Dieu peut faire sortir un homme armé capable de faire face à son avenir. Donc Dieu peut transformer et nos vies et les circonstances de notre Amen. Vie. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu peut tout transformer. Il peut transformer nos vies. Il peut transformer toutes circonstances. Alors nous voulons faire cette prière avec vous, papa, pour toutes celles, pour tout celui qui en ce moment veut réellement recevoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. J'aimerais que vous puissiez, pendant quelques minutes, faire cette prière avec lui pour qu'il puisse réellement entrer dans cette destinée prévue par Dieu. Oui, Dieu n'a pas voulu que nous puissions mourir dans nos péchés. La Bible dit qu'il nous a tant tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, à qui quiconque croit en lui ne va pas périr, mais il aura la vie éternelle. Et croire en Jésus veut dire l'accepter comme Seigneur et Sauveur en le déclarant. Moi, je vais prier pour vous, je vais prier avec vous, je vais faire une prière que j'aimerais que vous puissiez répéter. C'est juste une façon de vous aider à faire cette prière. Moi aussi, on me l'a fait faire en 1979. Je l'ai fait et jusqu'aujourd'hui, Dieu... Jésus est entré dans ma vie et il me conduit. Amen. Quelqu'un m'a fait faire cette prière le 30 novembre 1979. Donc moi aussi, je la fais faire à toi aujourd'hui parce que je sais que si tu t'en appropries, l'Esprit de Dieu entrera en toi et changera ta vie. Nous prions comme ceci. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens auprès de toi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens sauver ma vie, viens délivrer ma vie. Tu connais que je suis pécheur. Je te demande de me pardonner, de me laver, de me sanctifier de tous mes péchés et de m'accepter aujourd'hui comme enfant de Dieu et de me conduire sur ce chemin dans l'avenir. Je me laisse entre tes mains. Je renonce à tout ce que l'ennemi m'a fait faire, à tout ce que l'ennemi m'a fait dire, à tout ce que l'ennemi m'a fait toucher, à tout ce que l'ennemi m'a fait porter. Je me confie en toi totalement et je te demande, Seigneur, de me pardonner et de me conduire. Conduis ma vie sur le chemin de l'éternité. Conduis ma vie dans la vérité. Et tout ce que je dois faire pour le reste de ma vie, je suis à ta disposition. Chaque jour, j'attendrai que tu me guides, que tu me montres le chemin que je dois suivre pour t'honorer dans ma vie. Dans l'entretemps, reçois ma prière. Je veux devenir cet enfant de Dieu et je crois que tu me reçois. Ta parole dit, celui qui vient en moi, je ne le laisserai pas dehors. Je crois que tu m'as accepté et je me confie en toi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Maître, tu es mon Guide. Et je resterai attaché à toi jusqu'à la fin de mes jours. Merci de m'accepter au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère qui a fait cette prière avec moi. Je te demande que par la puissance de ton esprit, tu rendes réel, véritable, vivant cette prière qu'il a faite et que cette réalité le mette hors d'état de nuire. Que toutes les chaînes de sa vie soient brisées et que son avenir devienne radieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes contents de vous recevoir dans cette grande famille des enfants de Dieu. Vous êtes désormais fils et filles de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous suivre dans
tous nos programmes Jean la main de compassion sur notre page Facebook, sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez encore suivre l'intégralité du culte d'aujourd'hui. Nous voulons encore vous accueillir demain à partir de 16h juste dans ce grand temple, centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la borne à Bandalungwa. Actuellement, nous sommes à GB sur l'avenue Kalongo numéro 5. Que Dieu vous bénisse. Restez nombreux, connectés à nous suivre chaque jour. Nous passons en direct sur des lives Instagram. Vous aurez la possibilité de revoir le live qui se fait chaque jour à partir de 15h30. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse aussi, pasteur. Merci. Merci.